so much you thought I was a DJ. Et yop tout le monde, c'est Kasmakar, je vous retrouve une vidéo sur les Cops and Crypts d'Ink Pixel. Ça fait super longtemps que je n'en avais pas fait. Depuis que j'ai mon nouveau micro, d'ailleurs je n'en avais jamais refait. Et puis ça me donnait envie parce que je vais rejouer un peu de temps en temps là en ce moment. Et puis du coup je trouvais que ça aurait été cool de refaire un peu des vidéos dessus, parce que c'est quand même un jeu vraiment coup de cœur et qui est très 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 bien fait. Du coup on va commencer par deux petites parties surtout explicatives. Je fais pas des scores de ouf, et puis une dernière assez incroyable, et puis bah je vous laisse tout simplement apprécier, donc bonne vidéo. Ok, on est parti sur la map atomique, on va se prendre une petite Kevlar vest, donc pour ceux qui connaissent pas vite fait. Donc en fait c'est comme CSGO mais dans Minecraft, et bah pour faire simple en fait, si vous connaissez même pas CSGO, en fait il y a deux teams, il y a les Cops et les Crimes, enfin ça c'est sur Epixel qui sont nommés comme ça. Et donc les Cops ils doivent tuer tous les Crimes et empêcher qu'ils plantent des bombes. Et les Crimes doivent planter une bombe ou tuer tous les Cops et ils peuvent le planter qu'à deux endroits. Et donc du coup bah sinon c'est du gunfight et tout ça. Et donc du coup bah je vais vous présenter un peu toutes mes best games et tout ça. Et puis là visiblement on les défonce un peu. Hop. Là je joue un peu comme une merde. Ah je l'ai quand même eu celui-là. Et je me suis fait avoir par ceux qui sortaient du spawn, parce qu'on spawnait là. Donc ici pendant que je suis mort, vu que je suis un spectateur, je vais montrer les deux points. Donc notre spawn il est là, leur spawn il est là-bas là. Donc du coup il y a un point ici, donc le A, donc en fait ils peuvent planter à peu près tout autour de ce truc là. Et le B il est hop un peu plus en bas, tac, ici, donc ils peuvent planter un peu par là, mais généralement les personnes vont pas trop au B. Et par ici vous pouvez voir qu'on peut y aller accéder, et vous voyez que c'est ce chemin par lequel je suis passé tout à l'heure. Voilà, donc c'est une présentation très rapide. Et d'ailleurs, sur le côté, vous pouvez le voir à live. Ah bah là, il en reste plus du tout. Et du coup, ils sont tous morts. Bon, je vais me mettre cette partie histoire quand même de bien expliquer le début, même si je fais un peu de la merde. Bon, là, de toute façon, c'est parti pour gagner. Hein. Il y a déjà deux personnes qui ont l'équipe en face. On a un MVP, on peut le voir grâce à la grande Odyssée. Donc on est plutôt bien. Donc là, on va pas passer par le même chemin. En fait, on va passer par là-haut. Parce qu'en fait les gens aiment bien, les Crimes, un peu nuls, aiment bien monter en fait en haut, sur le toit de ce bâtiment. Du coup on va faire pareil, on va les contrer en fait. Hop, on détruit cette vitre là. Voilà. Et on va faire, je voulais faire ce jump vous voyez, mais je suis nul alors je me suis loupé. Donc voilà, je suis tombé, c'est con. Alors là... Ils ont l'air de s'être un peu barrés. Je sais pas où ils sont là. Ah merde, ils ont planté. Et ils ont planté en A. Bon bah là, vous voyez, ils sont tous morts. Mais ils ont le temps de planter en A. Et du coup, on a déjà diffuse, ok. C'est vraiment la game où on défonce tout. Bon, j'expliquais un peu le shop. Après, j'expliquerai un peu le système de bombes. Donc du coup, le shop, là, c'est les Kevlar. Donc c'est pour réduire votre... Ça, c'est les petites armes de corps à corps. Ça, c'est toutes les armes. Donc le pompe, donc fort corps à corps, ma licence de merde. Après, MP5, tout ça. Il y a un petit sniper aussi. Moi, j'aime pas trop utiliser le sniper. Également, il y a aussi quelques systèmes de grenades que j'utilise rarement aussi parce que je trouve que c'est plus un moyen de gaspiller de la monnaie. Je suis plus en mode 1, faut économiser pour le prochain round. Puis sinon, je pense que j'ai à peu près tout dit. On va faire un petit kill là. Hop, on tue le C4. Hop, voilà, on a fait 3 kills dans ce round, on a été plutôt efficace. Sinon, est-ce que j'ai tout expliqué dans le chapeau? On va voir. La firebomb est enlevée, ça c'est une flashbang, moi ça fait un flash sur ceux qui sont touchés. Smoke, ça fait de la smoke. Frag, ça fait une explosion. Enfin, ça fait pas une réelle explosion, mais ça fait du dégât autour. Et puis la dernière, c'est la decoy, c'est celle qui vient de lancer. Et qui fait un peu comme s'il y avait des bruits d'armes en fait. C'est un peu pour déconcentrer les gens. Car en fait, le son est très important dans ce jeu. Hop. Oh le salaud. Ah il est arrivé avec sa M4, il m'a eu instant le mec. Du coup on fait du 4 dos, on est pas terrible, là ils font une méga percée je crois. Go B. Là vous voyez ils sont là à 3, ils ont fait... B. Du coup là ils vont être bien en B. Là je crois que c'est une smoke, mais il s'est loupé. Ah non il a foutu une flash, donc lui il est nul. Vous voyez parce qu'il a lancé une flash alors qu'il y avait personne. Donc là ça c'est la technique bien connue quand on défend cette bombe. C'est qu'en fait on se planque dans les tuyaux là, enfin, sur les coins. Putain mais le nul qui arrive à le tuer quand même. C'est qu'il se planque là et de temps en temps il redescend en fait. C'est à dire qu'en fait les gens qui arrivent ils essaient de diffuser la bombe. Et du coup bah, ils sont shootés.
D'ailleurs, pour le système de diffuse, parce que ça finit un peu la présentation, vous voyez que le mec là il le fait alors qu'il y a des ennemis. Là il a un kit d'ailleurs, mais il a peut-être raison parce que. Ouais, il a eu raison de commencer maintenant. Hop, et il a réussi. Donc en fait, le système de diffuse, en fait, c'est comme un coffre, en fait. Et on l'ouvre, et donc en fait, on a plein d'items à l'intérieur. Et en fait, c'est des items qui sont retexturés en mode câble. Et du coup, en fait, faut cliquer sur tous les câbles rouges, en fait, qui vont du coup se faire une animation comme s'ils étaient pétés. Et du coup, bah ça. Et quand vous avez enlevé tous les rouges, et bah ça la diffuse. Évidemment, si vous faites buter, bah ça enlève tout le truc. Et bah, si ça arrive à la fin du temps, à partir du plantage, et bah vous êtes mort. Parce que le rune est perdu. Sauf que là, bon, vu qu'on les écrase un peu, on n'aura pas trop le temps de voir ça. Donc, là, on rush B, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Du coup, on va faire gaffe. Ok, ils ont pas l'air d'avoir voulu venir. Ah, il y en a un quand même. Hop, on leur fout les petites balles. Hop, l'assist qui va bien. Il y en avait un deuxième. Et va plante, toi. Voilà, je fais bien. Du coup, on va se placer. Hop, on va se placer là. Comme ça, on a une bonne vision là. C'est un mec qui dit shoes, on le voit. Hop. Je vais pas me planquer par les tuyaux. Là, il y en a un. Là, je pense qu'on est plutôt bien. Là, ah oui, d'ailleurs, aussi, j'ai pas un petit truc pas fini, que j'avais oublié de préciser. C'est que ça se joue en 2 rounds gagnés, en 5 rounds gagnés, contrairement au CSGO où il en faut plus. Et donc du coup là on a 4-0. Et que au bout de... merde il est là. Au bout de 4 rounds, et ben on change de côté. Voilà. Pour les dernières petites précisions qu'on n'a pas chopées, tiens je vais prendre des armes parce que les MVP et tous les gros gradés, enfin tous ceux MVP, VIP, ils ont accès à d'autres armes en fait. Et du coup bah ils ont des trucs un peu plus. C'est juste pour finir là vous voyez que je me suis écarté parce qu'à la fin la bombe elle a un assez gros rayon. En fait elle explose sur un petit rayon mais après elle fait des dégâts sur un gros rayon. C'est pour ça que je me suis écarté. Voilà donc vous voyez le dégât était un peu comme ça. Mais si j'étais genre ici je serais mort. Voilà. Donc j'ai à peu près fini pour l'explication. Et maintenant je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet en vous mettant une petite partie où je swag particulièrement. Donc à tout de suite. Ok donc là on se retrouve sur la map Hallway. Donc là on commence en cops. Alors, je présenterai la map une fois que je serai mort. Je vais aller au point B parce que là la map est un peu complexe. Pour l'instant, vous allez me regarder. Je vous expliquerai après hein, parce que j'ai quand même pas mal tryhard le jeu. Je connais plutôt bien et du coup, je sais exactement ce qu'il faut faire dès les débuts. Alors, ouais, il sort d'ici. On a les petites balles, on en tue un. Grâce au méga booster de la mort, on gagne masse pépette. Toi, je t'ai vu. Me tuer le salaud, voilà, il m'a tué. Donc on va présenter la map. Donc le spawn cops il est ici, le spawn terroriste il est là. Donc du coup les deux points pour planter là c'est le point B ici, là en prend dessous là, et le point A il est tout là bas donc le point A qui est plutôt proche du spawn des cops. Et du coup en fait le seul moyen très rapide pour les crèmes en fait d'y aller, c'est quand ils sortent de leur spawn, qui leur arrivait de spawn est toujours forcément par là. C'est passé par ici, hop, et par cette ruelle. Et cette ruelle, c'est vraiment les grosses tueries. Généralement, là, il n'y en a pas trop eu. Parce que le point est jusque là. Ils ont planté la bombe, d'ailleurs, je crois. Ou ils ont drop, je sais plus. Et donc, du coup, généralement, la plupart des. Une fois sur 9 fois sur 10 plutôt. Les gens vont par en B en fait. Ils peuvent soit entrer dans les bâtiments, soit passer un peu par là. Puis via ce bâtiment, généralement, c'est quasiment tout le temps qu'ils passent par là. Hop, ils arrivent. Et puis il passe pas ici. Donc du coup moi ce que je fais, c'est que je vais passer par cette grosse ruelle. Mais du coup je contrôle une bonne arrivée. Et aussi du coup je contrôle un peu l'arrivée au point A. Parce qu'en fait c'est l'arrivée du... je vois un petit bout du chemin de l'arrivée du point A. C'est pour ça que j'aime bien passer par là. Aussi à savoir que je prends tout le temps la M4 moi quand j'ai assez de thunes. Parce que la M4 en fait elle fait masse dégâts. Jusqu'au bout d'un moment la dispersion elle devient assez énorme. Et du coup c'est impossible de viser avec. Ok, donc là je me suis un peu loupé. On va se planquer dans ce trou. Hop, pas besoin de recharger. Hop, tout en t'as eu. Il avait un pompe, le pauvre avait passé de monnaie. Du coup là on va retourner défendre un peu. Oula, on s'est fait prendre par un MP5 là. Et là ils vont aller pas tarder à planter un B, je pense. Ils doivent être dans ce bâtiment. On va prendre par là. Ok, toi je t'ai vu. Ouh, il m'a eu avec son MP5 là, le salaud. Vous voyez, il y a moyen de monter dans ce bâtiment, là c'est tout à fait légal. Après, passer par ici, je sais pas trop comment il s'est démerdé le mec. Hein. Au moins qu'il a fait...
Ah, ok, le mec il s'amusait, le mec il faisait les Yomak et qui. Puis sinon, j'ai un KDR de 3-2, ok, c'est pas mal. Alors, hop, M4, Kevlar, je vais passer pour le casque parce que j'étais trop nul et trop faible au round d'avant. Mais c'est pas grave. Du coup, là on va aller couvrir directement le point B, l'arrivée principale du point B, donc c'est par le bâtiment. Donc là, on peut passer depuis notre spawn, hop, par ici. Donc là, si vous reconnaissez, c'est le site B. Du coup, on va monter par ici. Donc, généralement, les crèmes débarquent par ici. Donc là, normalement, ils vont arriver de par là. Dans une partie normale de normalité, et nous, on va se foutre là. Oh, mais il m'a défoncé! Comment il fait avec une M4 à cette distance? C'est pas croyable. Pas croyable, moi, je vous dis. Mec, il défonce vraiment. Et c'est le deuxième qui vient de shooter, je crois. Ah non, c'est le troisième même. Ah, par contre, là, il y a une intervention incroyable de notre ami Galgarloche. Et qui a totalement défoncé tout le monde. Est-ce qu'il va faire le troisième? Et le troisième kill, voilà. Galgarloche qui gère totalement. Il en a fait 6 kills. What the fuck, Galgarloche qui est on fire, quoi. Bon, c'est pas grave. Du coup, là, je vais passer pour le câble d'arrivée. On va se prendre un petit emlet. Et puis on va passer par le A tout de suite là. Comme ça en fait ce qui est mieux en fait c'est qu'avec la M4 c'est beaucoup mieux de passer par là parce qu'on est plus dans les couloirs étroits. Contrairement par le milieu en fait. La M4 elle est plus puissante dans les endroits fermés. Après je dis peut-être plus de la merde mais c'est mon ressenti personnel. Il y a déjà des mecs qui sont morts ici. On va passer par le bâtiment et prendre ceux qui sont dans le bâtiment. Il me fait mal avec à chaque fois avec son MP5 il me fait pas mal de dégâts celui-là. Je crois voir un mec là, c'est les bibliothèques. J'ai pas cru entendre. Ah ouais, j'ai pas cru entendre the enemy drop the bomb. Donc du coup ça veut dire qu'il a les plantes. Et du coup je vais pouvoir vous montrer l'animation. Comment on diffuse un peu. Ok du coup cool il est mort, donc du coup j'arrive avec ma petite pince et du coup j'arrive là-dessus. Donc en fait c'est bêtement un coffre hein, et du coup je dois juste cliquer sur tous les trucs rouges. Et si ah bah d'accord le mec il avait un kit. Et si je me gourre en fait, si je clique pas sur un fil rouge, et ben en fait ça restart tout, ça va pas tout péter quand même. Sinon je suis sûr qu'il y a d'ores et des trolls qui s'amuseraient à cliquer directement sur de mauvais trucs pour nous faire perdre. Et aussi rapidement si je dis que oh tiens le mec il avait un kit, c'est parce qu'en fait on peut acheter des kits pour diffuse. Et du coup en fait à la place que ce soit un double coffre, parce que là c'était l'interface d'un double coffre, c'est l'interface d'un coffre normal, même si il avait l'apparence d'un coffre normal. Du coup, bah, comme à l'inverse du cops, et bah, du coup, je me mets ici afin de défendre les deux arrivées, justement. Comme ça, s'ils arrivent en masse du point A comme ça, là, bah, je peux arriver à leur faire des petits dégâts comme ça, puis je peux aussi contrôler des arrivées de par ici. Allez, notre ennemi s'est fait défoncer, mais nous, on n'est pas des nuls. Ouf, on a failli être des nuls par contre. Et on a drop la bombe, comme vous l'avez bien entendu. Oh, on se casse. Allez, hop, 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 hop. Hop, 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 on se casse, on se casse. C'est pas nous. Non, j'ai dit que c'était pas nous. J'ai dit que c'était pas nous. Pourquoi tu me tues, salaud? Bon, du coup, contrairement à ce que j'ai dit, en fait, je vais pas vous montrer des parties où je gère. Celle-là, c'est plus pour expliquer. Parce que, bon, des fois, là, vous voyez que c'est pas très fou. Hein. Je fais du 4 morts, 4 kills. Mais des fois, enfin, dans mes records, c'est plus. Ça se joue en 15 kills de mort, quoi. Hein, vous voyez, des fois je suis très chaud, des fois c'est un peu moins bien. Mais bon, là au moins ça me permet de vous expliquer tranquillement. Et on est bien. Donc la bombe a été drop ici, juste à l'arrivée du B. Du coup nos alliés vont y arriver là. Hop, là ils ont vu le petit cops et ils ont sûrement vu le C4 là. C'est pas le C4, c'est bon. Notre ami. Il a planté notre ami, comment il s'appelle toi? XJinxX, qui est d'ailleurs un MVP, a aussi à planter. Et aussi d'ailleurs, l'action de plantage est assez drôle en fait. C'est, je sais pas trop ce que c'est vraiment si on enlevait le ressource pack, mais c'est comme si on mangeait en fait un objet. D'ailleurs, le dernier cop c'est là, on le voit qui arrive là. Il va le buter notre allié. Et il dit, tiens, je vais pouvoir diffuse. Il diffuse. Et là, boum! Behind you. Et il est mort. Bon, maintenant que j'ai bien présenté la game, là vraiment, parce que j'ai dit de la merde juste avant, c'était pas une partie où je gérais, c'est une partie où j'explique bien, comme ça on a bien expliqué. Et puis la prochaine, on va refaire une map sur Alloy ou Atomic, il y a encore deux autres maps, mais comme ça me permettra
de vite expliquer la map et de tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc à tout de suite pour de la gérance. Et yolo yolo yolo, on est sur Atomic et on est en Cops. Et puis... Non, non, toujours le milieu de la map, j'aime bien. J'aime bien ce petit spot. Comme ça on peut choper un peu les petites personnes qui sont censées leur spawn, qui viennent d'avoir signé leur pétition de terroriste et puis qui se font prendre une balle dans la tête. Ah par contre lui c'est un MVP, c'est pas un nul, on fait gaffe. Enfin, généralement. Après c'est pas parce qu'il est un armure plus solide que les autres qu'il est plus fort. Et ils ont l'air de rusher en position et ça j'aime pas. Les gars ça arrive derrière. Passe par où les salauds. On va retourner. Oula, il y en a un. C'est la fin de MVP. On lui a mis une balle sans faire exprès. Du coup j'ai eu l'assist. Ah bah merde, je voulais choper le Colt. Le Colt, ils ont la même idée que moi. Ok, toi, ça, le Ragging Bull, ça, c'est un bon pistolet. Ça se fight à l'intérieur. Hop, allez. J'ai mis quelques balles par avant tank. Du coup, on va défendre la bombe. Avec la meilleure technique au monde. Je suis planqué. Vous ne me trouverez jamais. Là, s'il arrive le gars, on fait... Voilà, c'est le plan. Il ne trouvera jamais le gars. On s'en fout d'où il est. De toute façon, là, vous voyez, si le temps il arrive à la fin... Merde, on fait tous pareil. Planquez-vous, il arrive. Chut. Il est juste à côté de nous. Je peux l'entendre d'ici. On est comme des débiles. Coucou, ça va? On est comme des débiles, putain, c'est énorme. Du coup, on va gagner, hein. Oh, yolo. Et voilà, Cops win, vous voyez, parce que là, on est toujours vivant et ils ont pas planté la bombe. Yay! Bon, du coup, ça fait déjà un round de gagné. Du coup, HST pour prendre notre magnifique M4 et notre petit casque qui nous manquait. Et puis comme ça, on a un bon pistolet de départ, on pourra encore mieux défendre le petit milieu de la map. Voilà. D'ailleurs, je crois que le Ragging Bull me ralentit pas, je suis plus très sûr. Ça me tente de me faire des petits dégâts, mais à cette distance avec des grosses armes, c'est un peu chaud. On tire des balles qui traversent le corps de nos alliés, c'est magnifique. Il y a pas un mec qui est plongé là-dedans. Ouais, j'ai cru. Bon, du coup, là, ils vont pas tarder à arriver en B, je pense. Ouais, là, ils ont planté en B. Je peux vous le dire, les yeux fermés. Enfin, sans regarder. What? Ce plantant A, c'est possible ça encore? Ça arrive sur Atomic, sur Alway, pardon. Putain. On s'y attendait pas, ils sont passés. En plus, je défendais à moitié, enfin, je les aurais vus. C'est bizarre, en tout cas, ils sont plus que nous, donc là, ça va être un peu le stress. Ok, lui, il est mort. Il reste plus longtemps, donc on est obligé d'y aller. Ok, il diffuse, moi je les défends. Là ils ont le temps de diffuser, ils ont des kits en plus. Yes, bien joué, ça c'était beau. Parce que là je sais pas où ils étaient partis. Je pense qu'ils étaient partis nous chasser, ils pensaient pas qu'ils avaient le temps, mais du coup on arrivait, moi je défendais. Puis là ils avaient le kit, d'ailleurs on va prendre le kit, hop. Sécurité, et on va aller... on va retourner au milieu de la map, parce que là généralement les gens intelligents, si les mecs en face sont intelligents, ils vont pas retourner en A, parce que là tout... La plupart de nos gens ils vont aller en A je pense, défendre le A. Oula, c'est un snipe qu'il avait ce machin. J'ai cru que c'était un snipe. Bon, on fait gaffe. Bon, lui, il a une belle arme. Allez, donne-moi ça, l'ascarache. Ah, ça c'est du bon l'ascarache. Par contre, ça tire un peu autour de moi. Et là, il y a un mec qui est passé. Je voyais pas son pseudo, ça veut dire que c'est un ennemi. Wait for it, hop, le kill. Ah merde, j'ai voulu me planquer derrière la plante en pot. Ça me lance pas suffit, du coup je fais du 4-1. Je trouve que cette game est intéressante, ma foi. Et du coup, il y a le VIP qui va. Ah, c'est bon, il a réussi à survivre.
Il a réussi à survécu. Ouais, il a réussi à survivre, bordel. Il s'est fait atomiser par contre là. Et là, le round risque d'être plutôt marrant parce que je pense qu'ils ont le C4. Ouais, ils sont A. Hey. Donc là, visiblement, il y a le C4 qui a fait un peu solo chez eux. What the fuck? Et ils ont gagné. Bon, c'est pas grave. On fait du 4-1, mais on est chaud. Vu qu'on n'avait pas trop dépensé nos thunes dernier round, hop, on peut se remettre comme ça. Du coup, on va passer par le A, là, on va pas se faire baiser cette fois-ci. Et puis, on va attendre qu'ils arrivent. Allez, on se met en mode concentration. Ah, je me suis penché de 2 cm sur mon écran. On est bien. Boum. Il y a le snipe là. Mais le snipe, moi je le fais jamais confiance. Putain, la scarge de merde, mes couilles. Ah, bien joué quand même à mon allié là. Ok, ils sont deux à défendre. Et voilà, le MVP qui avait la bombe, il est mort. A été un scarache. Un bon colt. Oh oui, les mecs ils peuvent bien se stuffer là. Et là on est bien, il reste plus qu'un mec. Bon, là je pense que j'ai bien aidé ma team, malgré ma mort. Du coup, je fais du 5-2. Mais j'ai bien aidé là. Je suis plutôt fier de moi pour l'instant dans cette game. Je trouve que j'ai bien joué. One shot, one kill, no luck, just kill. la poésie du soir. Oh, le combat au casque. Attention, attention. Combat de couteau, combat de couteau, combat de couteau, combat de couteau. Ouh, il a été intéressant. Jacobville qui dit tiens, je vais peut-être lui mettre une balle en fait. Et puis hop, il a gagné. C'était plutôt drôle. Bon, du coup, vu qu'ils ont gagné un round, il nous en faut encore deux à gagner. En crimes, on va mettre go. Hey, all. Si on va tous en A, on va faire une grosse percée de malade. C'est drôle. Donc là, on est 3 qui suivent. Ok, ok. On va être 4. Si on fait une grosse percée en A de malade, ils pourront pas. Parce qu'il y a forcément des gens qui vont dire ils vont passer en B. Du coup, ça va être marrant. On va attendre 2 secondes que ça passe devant. Hop. Lui, il est mort. Ah, quand même, ils sont 3. Hein. Ok, la grenade a fait le taf. On chope un Desert Eagle, un Deagle, un Ragging Bull. Il reste plus qu'un ennemi. Normalement, on peut plante. On va vérifier que ça ne vienne pas de là parce qu'on peut venir de là. Ok, il est là. Le dernier. J'étais concentré. On recharge notre Ragging Bull. Boom, headshot, MLG. Ouh, plutôt bien. Alors du coup, on a du 7-2, on a le C4. B now. Moi je vais en B là. Là ils vont pas s'en rendre compte si on va en B. Là maintenant ils vont se dire mais il veut retourner en A. Et du coup là on va en B et ils vont rien comprendre. Voilà, ça suit, c'est bien. Hop. Je sais pas d'où ça tire, je peux pas me planquer. On sort la M4. Ok, ça passe. Hop. Toi tu dégages. Et du coup je pourrais montrer l'animation de plantage. Et hop, on a planté. Du coup là on va faire la stratégie dite du bâtard. Donc c'est à dire qu'en fait là, je me mets ici. Et du coup, dès que je vois mes alliés qui commencent à se faire buter, je sors avec ma grosse M4. Parce que là, généralement, les gens, ils arrivent du dessus, puis voilà, comme ça. Puis comme ça, en fait, j'attends 12 secondes, le temps qu'ils se fassent buter. Voilà, je suis la semaine. J'attends un peu. Et on y va. Oh là 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 là. Alors là, cette action, je veux que vous mettez un pouce vert. Bombarder les pouces verts, putain. Oh là, c'était beau. J'ai cru que à un moment que je serais parti légèrement trop tard. Oh, did you do that?
Oh, les mecs, ils en reviennent pas. Oh putain, là vous voyez, là je. Oh, je suis tout content. Et puis voilà, ça va clore notre épisode. J'espère que vous aurez bien aimé. Du coup, ça signe un peu le retour de mes vidéos sur Compson Crimes. Et puis, bah, j'espère que ça vous plaira. Puis si ça. Si vous aimez que vous. Que. Hein, si vous aimez ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, comme ça motivera à continuer. Et puis, bah, n'hésitez pas justement à mettre un petit pouce vert, à commenter, à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Justement, si vous n'êtes pas abonné, que ça vous intéresse les vidéos. Les vidéos Compson Crimes, bah, c'est le meilleur moyen de pas les louper. Et puis on va expliquer à vous dire salut à tous et repensez à cette dernière action, c'était magnifique. Replay d'ailleurs. Nightmare.